L'émission, c'est essentiellement piloter des études. Donc, des études qui peuvent être soit vraiment à caractère hydrogéologique, donc la recherche vraiment de nouvelles ressources, qui peuvent comporter de la phase intellectuelle, bibliographique, de calcul, ou des caractères de travaux, des forages exploratoires. Et puis également des études qui peuvent être plus typées hydrauliques, parce qu'en fait, finalement, prendre de l'eau à un endroit, c'est une chose forcément intéressante et indispensable, mais savoir où la distribuer et comment l'amener au robinet, c'est également fondamental. Donc, on réalise comme ça des études de ce qu'on appelle des schémas directeurs d'eau potable à l'échelle de plusieurs collectivités pour essayer de mutualiser les moyens sur la ressource ou avoir une meilleure gestion. Ce forage, il n'est pas dédié à la production d'eau. C'est un forage qui sera on va dire, un ouvrage de contrôle de l'impact d'un futur champ captant. Alors, au Smegreg, on travaille sur la ressource, sur la création de nouvelles ressources. On a un caractère exploratoire, c'est trouver des ressources nouvelles pour l'ensemble du territoire de la Gironde. Après, au Smegreg, en tant que on va dire secrétariat technique de la commission locale de l'eau liée au Sage Nappe Profonde, on a une mission particulière qui consiste en déjà l'élaboration du Sage. Donc le Sage, c'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est une sorte de réglementation locale sur l'eau souterraine en Gironde. Et tout ça est élaboré au niveau du Smegreg qui propose des décisions à une sorte de mini-parlement de l'eau, qui est la commission locale de l'eau, qui regroupe des usagers, des élus, l'administration. Et tous ensemble, on a élaboré une réglementation spécifique. Tout part d'une volonté politique. Nous, on est clairement dans la territoriale au service des élus. Donc, il y a une demande qui est exprimée, généralement, en termes simples du quotidien. Et nous, notre travail, c'est de le traduire en langage scientifique, en programme d'études, savoir exactement comment agencer les différentes phases des études, des travaux, etc., pour répondre à la question posée et faire cette restitution aux élus.